Dans un premier temps, ce bloc de 6 ici, là, vous allez travailler sur les postures, sur le Swiss ball. Là. On est sur une situation d'échauffement. On connaît, on bloque le Swiss ball au niveau des deux barres. On travaille au niveau des postures ici. Vous essayez d'avoir, on travaille sur 15 secondes, 3 et 3 derrière. Ok, il y a 3 secondes. Hein ? 3 Swiss ball. On s'échauffe la nuque et surtout au niveau de la position, c'est tout le temps rester avec l'équilibre et d'avoir toujours l'alignement parfait. On ne bouge plus ça, en position. Et avoir l'alignement parfait en fait, entre avoir le dos un petit peu creusé juste ici et être droit dans le prolongement de la nuque, que la nuque ne soit pas cassée, soit vers le bas, soit vers le haut. Donc ça implique d'avoir le regard voilà comme ça, vas-y refais, soit d'être comme ça avec les appuis trop haut, soit d'être trop vers le haut, que la nuque soit trop relevée, parce que c'est là que tu commences après à avoir des problèmes de cervicale. Donc là on t'oblige à avoir le dos bien droit et tu bosses ta posture en essayant des fois de te déplacer juste la nuque, te déplacer à droite, à gauche, bosse encore un peu plus les fesses en étant bien bas sur tes appuis. Recule Nico. Les mêmes petits pas. Voilà, recule. J'ai bien la tête, Et au pire, allonge-toi plus. Tu recules. Alors, on fait travailler ses postures. Sur l'avancée. Vas-y, faut reculer là. Recule, voilà. Pour qu'il reste droit. Et gainé surtout. Voilà. Comme lors d'une mêlée. Ils travailleront en reculant. Essayez de garder la stabilité, les bonnes positions, les bonnes postures. Allez, flexion, placement. Voilà, stop, prêt. Descends un peu, mamie, voilà. Voilà. Doucement, tranquille, tranquille. Là, on travaille spécifiquement sur le poste de première ligne pour justement avoir le bon ressenti sur les mêlées, tout ça. Enfin, c'est un travail préparatoire. Ok, c'est bon. C'est bien. Ils passent leur tête. Vous n'arrivez pas à passer les têtes. Deuxième, écart. Vous ouvrez la porte. Ouais, referme. Resserre. C'est bon. Attends. Flexion, placement, stop, prêt, flexion, 1, 2, 3, 4, 5, enchaîne, okay, c'est bon, encore une, se resserre, prêt, flexion, 1, 2, 3, 4, 5, ok, c'est bon, allez, on va trottiner un petit peu, flexion, 1, 2, 3, 4, 5, ça permet 4, de travailler 5, la mêlée en bon, effectif complet, on réduit comme là, allez, on a la première et la deuxième, avec une pression du fait du joug. Et du coup, ça nous permet de bosser la cohésion, les liaisons, et puis également l'orientation droite-gauche. Et c'est moi qui me tape les deux plus gros billets. 1, 2, 3. Deuxième. Flexion. Placement. C'est bon. Stop. Ouais. Prêt! Et... Yeah okay, 3! Décale! Mamie! C'est-à-dire, on essaie de pousser le ballon, de passer la mêlée, orienter la mêlée de manière à ce que la libération soit favorable pour nous. Et à contre-carrer aussi une poussée adverse avec un pilier qui pousse plus à droite ou à gauche. Et qu'on essaie de travailler ça pour que le ballon soit toujours favorable. 2, 3, 4, 5! Ok, c'est bon! Allez, double, logique, allez. Allez, on va jusqu'au deuxième côté. Allez, allez, allez.